C'est très important de lutter contre les nématodes parce que les nématodes sont partout, ils peuvent attaquer vos cultures. Les nématodes sont dans le sol, ils sont invisibles, ce sont des vers minuscules qui vont attaquer le système racinaire des plantes. Et on sait que le système racinaire, c'est ce qui conditionne le rendement et la qualité de la production. Donc lutter contre les nématodes, c'est préserver son rendement. La partie santé du sol et la partie racinaire est très importante parce que c'est ça qui va constituer une grande partie du rendement et de la qualité de la production. Et donc on considère qu'en fruits et légumes notamment, les racines, le système racinaire conditionne 30 à 50% des rendements. Détecter des nématodes n'est pas très facile, puisqu'on a dit qu'ils étaient dans le sol et invisibles à l'œil nu. Donc le premier signe, ça va être de regarder la partie foliaire des cultures en surface. Et souvent, on va voir des plants rabougris, flétris, et ceux-ci partagent dans la parcelle. Il peut y avoir même des plants manquants. Et après, il va falloir aller regarder dans le sol ce qui se passe au niveau racinaire et voir si notamment on a des galles qui sont annonciateurs de présence de nématodes à galles, les méloïdogies.